ou tu besoin de contrôle yo et pour pas gagner contrôle yo qui raison c'est parce que crédit ou gâté ou même qui t'a remé ranger crédit ou même qui a problème crédit tout temps la bon problème ou t'a acheté ton bagage ou pas acheter cause crédit qui gâté et entrer en contact avec Financial Education Services. Financial Education Services c'est un groupe monde qui là pour réparer crédit moun ou même qui a crédit ou qui gâté ou capable de ranger crédit ou en même temps tu vas faire l'argent ou cabinet agent et bien pour entrer en contact avec Financial Education Services ou capable relé yo dans 857 504 52 86 857 504 52 86. Laisse ça venir avec agent Katia et bien le ballon non c'est Financial Education Services ou allemand je dis ça aïe bah en pile tête fait mal c'est tout côté passé tout le monde c'est une seule parole yo dit non tant si la monde pas dans l'âge pour yo mourir. Nous travail dans mes gros dans ma côté passé. Your glamorous wedding and party planning. I would like to invite you today to check my website and look at my beautiful work. If you would like to have anything done by me, you may contact me at 561-504-4223. I will be 561-504-4223. I do service in Palm Bay, Palm Beach, also Orlando. So if you would like me to visit you in your beautiful day, the day that you want to remember forever, contact me and I promise it will be the best day of your life. Thank you. God bless. This is Divi Angel Glamorous Wedding and Party Planner. I would like to invite you today to check my website and look at my beautiful work. If you would like to have anything done by me, you may contact me at 561-504-4223. I will be 561-504-4223. I do service in Palm Bay, Palm Beach, also Orlando. So if you would like me to visit you in your beautiful day, the day that you want to remember forever, contact me and I promise it will be the best day of your life. Thank you. God bless. This is Divi Angel Glamorous Wedding and Party Planner. I would like to invite you today to check my website and look at my beautiful work. If you would like to have anything done by me, you may contact me at 561-504-4223. I will be 561-504-4223. I do service in Palm Bay, Palm Beach, also Orlando. So if you would like me to prepare... Bonsoir pour nous toutes fanatiques Radio Télé Impact. C'est un plaisir pour nous entrer dans la KLA Soya, dans la émission Impact Sport. Et nous excusez-nous pour être là. C'était une technique nous avons géré, mais grand pile causé pour nous parler dans sport à Soya. Et généralement, nous avons frustré la guerre après match 22 pour essayer de regarder la réalité à Babolaka en Haïti. Malheureusement, frustré la guerre pas là avec nous à Soya, puisque les familles en deux amis ont perdu un grand frère li, donc li occupé dans question funérailles et nous profiter pour nous capable voyer en gros sympathie condoléances à toute famille là qui perdu pour tori garçon ça. Donc à soir on a bien seulement Géraldine Oga avec nous qui c'est consultant nous comme d'habitude nous va laisser regarder et on paquet de causes dans sport depuis quelque temps Géraldine parle sport local en pile donc à soir nous va le font regarder. Et ça que t'es marqué ce maintenant, passage de sélection, que ce soit U23 avec Senior A. Et puis, n'a viré et dans l'autre bord de l'eau, on a regardé NBA, grand pile cause qui fait, une équipe, j'ai l'impression c'est d'une team y a construit. Et puis, dans le football là, t'es gagné éliminatoire. Et dans la zone Europe, là, t'es gagné quelques matchs. Et puis, on a fait une projection pour la Ligue des Champions. Cap gagné pour jouer dans quelques jours, cap vin là. Et nous profiter de saluer tout le monde qui branché, surtout le monde qui Canada, ou cap gardé dans Woku, dans la télévision Figi Platio. Nous saluer, nous profiter de saluer Nathalie.
Timéus, Zami Panou. Nous voilà pour une pause tout petit et puis nous allons aller droit dans Port-au-Prince pour nous aller venir à Aldinoga. Zami en patte dans la manifestation. Je dis à vous respect constitution. Donc, li en forme, li pas essoufflé. Nous allons tout à l'heure pour nous capables de faire ça. Nous voilà pour une pause tout petit, mais vraiment pour quelques secondes. Et puis, nous tourner avec Géraldine Oga dans le cadre émission Impact Sport. Mettez en ordre, on t'y pose tout petit et puis nous tourner. Papa, ou tu besoin de contrôle yo et pour pas gagner contrôle yo qui raison c'est parce que crédit ou gâté ou même qui t'a remé ranger crédit ou même qui a problème crédit tout temps la bon problème ou t'a acheté ton bagage ou pas acheter le crédit ou qui gâté et bien entrer en contact avec Financial Education Services. Financial Education Services c'est un groupe monde qui là pour réparer crédit moun ou même qui a crédit ou qui gâté ou capable de ranger crédit ou en même temps tu vas faire l'argent tout cabinet agent et bien pour entrer en contact avec Financial Education Services ou capable de reler dans 857 5 4 5 2 4 6 8 5. Nous retournons, nous encore une fois re-saluer tout le monde qui branché Radio Télé Impact à Square. Nous déjà gagné Géraldine Oga avec nous sur écran. À qui n'a dit Géraldine, bonsoir, en forme. M'a salué Mérélise Vélo, nous m'a salué toute super branché Radio Télé Impact. Nous en forme, nous contents, nous là, surtout dimanche dernier, pas de gagner Impact Sport, donc nous très très contents pour nous retourner dans Kaila et pour nous retourner avec Impact Sport. Bon, votre merdo, j'aimerais envisager l'Afrique là, ou pas de pile de béton, je dis, ou pas besoin de répondre. Donc, j'entends là, ou au courant de ça, que Fristé la guerre, famille l'a touché, c'est ça que fait ne pas gagner Fristé à Souéa. Donc, nous pensons que Impact Sport voulait toute condoléance nous pour famille là, et nous souhaitons au courage, l'ont perdu un grand frère. Et c'est quelque chose, puisque en pile fois dans la famille haïtienne, grand frère ou toujours plus grand ou toujours tracé route, et pour profiter à des frères, c'est modèle, nous, Géraldine Oga. Oui, qui t'aime profiter tout pour me présenter sympathie à Fiste la guerre, qui c'est un pièce importante dans l'impact sport, surtout dans l'aspect local là. Et c'est un frère qui dans une situation difficile, nous partager peine. Non, c'est toujours difficile pour perdre un être qui cherche, on rod diab Velino, le plus souvent grand frère quand c'est modèle yo qui tracé route yo, gen côté c'est créé et qui fait que pipiti yo vinn sa yo journée jodi a. Donc nous ka comprendre et peut-être douleur que fils la famille là-dedans. Donc nous présenter sympathie et condoléances nous à toute famille hein, et particulièrement à fils la guerre. J'espère que la jeune moyen pour le capable retourner vite parce que la vie a continué. Et pour continuer, vin porter capital importance li en dans impact sport. Et monsieur Abla dimanche, il dit ça et surtout on connaît monsieur Gon livre l'a écrit sur Fika. Et dans jour là, monsieur t'ai rencontré un potorique garçon qui s'est mettre Toto Calix dans cadre dans question livre ça. Monsieur dit grand pile cause pour aller sur football dans livre là Géraldine Oga. Belle bagaille. On nous aller et puisque dans c'est nous notre rêve FIFA, donc pas gagné championnat, et que ce soit en Europe, et dans la zone contre Kakaflatou, donc Haïti est en bataille, dans sa guerre rapport avec l'éliminatoire Coupe du Monde. Mais avant nous prendre sélection senior, parce que Yventoyo, bien avant M. Senior, il était en bataille, puisque dans le cadre d'élimination pour les Jeux Olympiques Cap Fête, Tokyo, Anissa. Eh bien, Yventoyo fait première rencontre avec Honduras, il a perdu 3-0, nous connaissons tout problème organisationnel qui était gagné, qui cause des faits de ça. Deuxième rencontre là, il joue avec Canada, il fait 0-0, mais il y a une possibilité qu'il ait qu'à remporter victoire. Et puis malheureusement, dernier match yo, face à Salvador, il a perdu 2-1. Donc Haïti fait 1 point sur 9, Haïti marque 1 green goal dans l'éliminatoire ça. Ou même quand vous regardez jouet là, qui sont sociologues tout, qui connaît sa question organisationnelle par rapport à sa cap gain souterrain et comment t'es digéré et résultat ça prestation équipe U23. D'une manière générale, c'est quand même un échec. Et même si toute proportion gardée, j'étais dans même poule avec Honduras, j'étais dans même poule ensemble avec Canada et j'étais dans même poule tout ensemble avec Costa Rica moi quoi. Costa Rica, c'est ça. Avec Salvador. Avec Salvador, pour me capable plus précis.
d'une manière générale, pour moi, même c'est un échec, même si nous pas capables de vouloir, comment tu es capable de dire ça, faire 10, ou bien faire 8, si nous pas travail pour 10 là, si nous pas travail pour 8 là. Mm-hmm. Et problème organisationnel yo, qui t'est éclaté au grand jour dans début compétition, mais type de préparation, et pas seulement ça, type de préparation nous toujours de manière tardive. Nous pas un plan de cadeau qui durable et qui à long terme, c'est-à-dire que ça n'a pas cherché telle date là, c'est pas dans 2-3 mois à l'avance pour nous derrière son bail qui inscrit nos cadres, nos plans, peut-être qui à long moyen long terme 5-10 ans, 10-15 ans. C'est comme ça qu'on fait programmation dans niveau et professionnel et sport. On n'a pas ce que nous fait pour là. Tout le monde qui est dans la discipline, ça, nous-mêmes, il a grandi, et nous-mêmes qui continuons à faire des choix, et MDK, nous continuons à organiser avec un pile amateurisme. Donc, nous avons un résultat. C'est peut-être ça, me dit dans l'aide de sens. Lise un fiasco parce que nous, toujours, vous connaissez, nous sommes un peuple qui a pile la foi. Vous comprenez? Nous avons pile la foi. Okay. Nous croyons un miracle. Nous croyons un miracle. À chaque fois que situation arrive, côté sélection pour aller jouer, nous toujours pensons nous qu'un champion, même champion du monde. Mais faut que nous-mêmes, qu'ap fait analyse, qu'ap commenter, nous toujours rappeler, nous n'y aurions pas été lucide et ou pas capable et semer rien ou obtenir récolte. Est-ce que vous comprenez? Ou dis-moi, mm-hmm. ou semer mal et vous pensez que vous pouvez récolter. Donc déjà en amont, faut problème ça résoudre. On a directement dans la compétition. Souterrain, hein. L'équipe football, ça, pour moi-même, les présenter plusieurs visages. Comme c'est trois matchs, les joueurs, pas qu'à saisir et vraie nature équipe, ça. Parce que, face à Honduras, y'a eu une belle couverture. Compte tenu de fiasco organisationnel, là, y'a joué à 10 contre 11. On monte qu'à couvrir ça. Face à, Canada. C'est face à Canada. Face à Canada, y'a fait 0-0. Canada. Oui, avec quelques temps dans le match là, à côté que yo montré yo te ka fè yon bagay. Tu comprends? Et face à Salvador, yo montré l'autre visage, yon équipe qui te paraît fébrile, yon équipe qui te gagne des problèmes tactiques énormes, et notamment dans les défensives. Mm-hmm. Donc, son équipe, moins pas capable de saisir dans trois matchs, yo, toujours yon bagay qui te sous soif nous. Ou équipe ça a une base technique, ou équipe ça a quelques éléments qui très bon qui bon là-dedans, donc ou Badjoa, on croit que lui-même l'a joué dans Violette, c'est-à-dire que ou qui a qualité a, ou que son équipe et ou une intention li son équipe qui voulait jouer, qui voulait les gagner ballon, li capable, j'aime te dire les notables les intertables match dernier match en direct, donc qui voulait aller au bout de leurs idées. Non, pour cette attaque là, mais vraiment on pas qu'à saisir parce que chaque match yo bon visage li présenté et puis toujours bon élément qui fait que qui a trop pas qu'à saisir équipe ça. Donc tu équipe peut-être tim ta au minimum dans 5 10, dans 10 matchs, on t'a dit qui ça lié, qui projet lié, mais au bout du compte ça n'est capable dit, c'était une équipe qui était notamment face à Honduras, face à Salvador, très naïf sur le plan défensif, et puis qui prend une série de goals qu'elle était capable d'éviter, notamment face à Salvador, et une équipe inexpérimentée, et qui montrait clairement que, dans le niveau type de compétition, ça y est, c'est des bagailles, il faut qu'on finisse trop habitué, faut être avec elle, donc, il fait parler de inexpérience à niveau ça. Voilà. Donc, vous présentez problème là, vous présentez problème organisationnel là, nous aller sous terrain, effectivement, mauvais déplacement, et vous senti, effectivement, t'as toujours des problèmes, jeu d'ensemble, parce que groupe là, pas de gain, pile temps qu'il a préparé, vous senti que mayonnaise là, bon côté prend, et au cas où, équipe Salvador dans le dernier match là, donc, où est-ce des mondes qui habitent à la compétition? Il y a joué par rapport à et gens ont été contrôlés match là. C'est vrai, Haïti a des moments forts parle que malheureusement nous pas arrivé scorer. Bon, c'est bien malheureux. Donc nous allons aux Jeux Olympiques et n'attend pour nous faire préparation pour l'autre Jeux Olympiques qu'a fait l'autre là. Oui, mais je dis
en préparation. Préparation Jeux Olympiques pour 4 ans, il était de commencer tout de suite le lendemain de l'élimination. Ça. Mais malheureusement, nous répétons même erreur. Nous, là, nous avons donné 4 ans loin. Nous allons dormir sur l'orier, nous. Après, nous allons faire une attitude de pompier et puis nous attendons des résultats différents. Nous pas capables, et M.D. Kadou, pour ne pas faire Corden. Pour ne pas faire Corden. Là, il dit, logique qui veut jouer pour par septembre, là, faut mettre en application dans le processus organisé. Vraiment, c'est la guerre. Heureusement, il y a un bas live là quand même, en dépit de tout. Donc, nous saluons mon frère, gagné Patrick Fénémon. qui toujours là. Maintenant, on quitte le 23, on jambé dans la sélection senior, qui au même tap recevoir Belize dans le stade Silvio 14. Déjà, nous connaissons que Matsa a gagné un pile événement qui est entouré. Dans un premier temps, délégation Belize là l'a entré en Haïti, il était croisé avec des mouvements et revendicatifs, moun armé et ça a été un petit genre dérangé monsieur yo, et monsieur était même écrit pour être capable de renvoyer match là. Et selon ça comme information, moun membre comité normalisation a fait tout ça au capable à louer jouer au dans hôtel yo, à essayer et mettez en confiance et gagner sénateur Patrice Dimon tout te fait déplacement aller etc. Donc jusqu'à ce que match là vienne jouer Haïti bat 2-0 là c'est souterrain mais avant de arriver souterrain Géraldine Oga gagne un paquet d'éléments encore au niveau organisationnel gagne joueur par exemple qui arrive le même jour en Cadenazon équipe haïtienne te gagne difficulté pour jouer un bus pour aller entraîner parce que et administration qui était là avant comité de normalisation était doué compagnie sans souci pas de au bus yo aller etc. On paquet de problèmes et rivé souterrain donc grenadier yo et en dépit d'un match qui pas vraiment répondre à soif là Haïti bat 2-0 mais c'est après 16 mois que yo pas joué un nouveau coach l'en prend tout élément ça yo nous considérer pour résultat terrain comme sociologue comme cap garde football ça on dit tout encore non nous font gros coup de chance. Son coup de chance, même si Belize pas dans le niveau, et c'est deux bagages. Son coup de chance, et heureusement, nous avons joué avec une équipe qui est inférieure à nous techniquement, c'est-à-dire en termes de valeur intrinsèque, c'est-à-dire valeur joueur football haïtien avec valeur joueur Belizeo, intrinsèquement, nous supérieurs à eux. Donc, c'est deux, pour moi, c'est comme ça, m'expliquer. C'est peut-être ça, l'un de coup de chance à eux, et qui nous pensait nous qu'à continuer et partager. Dans forme d'amateurisme ça yo, dans forme de préparation à l'emporte-pièce ça yo, dans forme de manque ça yo qui gagne dans grosse carence organisationnelle ça yo, et puis nous continuer penser nous ca aller et puis loin. N'a pour toujours peut-être font coup de chance bat Belize et qui t'a doué yon simple formalité pour nous, mais nous vinn dans situation nous tellement gagne des carences organisationnelles qui vinn impacter sous terrain. Hein? Donc li vinn faire que et car un homme qui t'a doué bien peut-être entre nous même avec un Belize ni vin minime. Remarquez, équipe football là souterrain était un gros problème et de rythme et de coordination, il y a des joueurs peut-être qui déjà pas joué assez, c'est normal pour qu'on ait une coordination hein. Et mais nous fait essentiel là, c'est peut-être ça me toujours dit, ça me considère comme un bon coup de chance. Et puis équipe Belize là qui était nettement inférieure à nous. Et en termes de ça qu'on joue au football de manière intrinsèque, ces deux éléments sont capables de bailler. Prochain rendez-vous, nous, tu as supposé avec Sainte-Lucie. Mais nous connaissons que Sainte-Lucie a abandonné le championnat pour des problèmes qui ont gagné au niveau de fédération par eux. Donc ça veut dire que toute équipe qui n'a pas pour ça a gagné sous tapis vert. Donc ça veut dire, pour le moment, Haïti gagne 6 points, 3 points sous tapis vert, 3 points que le bat Belize. Pour aller retenir le monde, affronter deux équipes, nous avons joué avec Token Kaikos. Et puis, nous avons joué avec Nicaragua. Donc, si toutefois, nous respectons tête, nous battons deux équipes, ça, nous finissons premier, parce que pas gagner aller-retour, c'est tout le monde joue avec tout le monde, ça qui finit en premier à qualifier. Nous avons supposé jouer avec Canada, si Canada respectait tête, dans notre poule, là, pas l'autre bord. Mais est-ce que tu connais que coach, là, Jean-Jacques, il n'y a pas un contrat qui définit dans le temps. C'était juste une mission pour match Belize là en attendant. Pas gagné que tu avais gagné pour l'autre match. Non, tu es comme ça? Bon, je connais que tu as fait un setup contrat avec lui. Mais compte tenu de volonté, Jean-Jacques,
par rapport à l'expérience là que li vle fè tout mais en via moi penser que peut-être y a besoin yon terrain d'entente et puis pas oublier nous nos moments charnier parce que comité de normalisation hein, c'est qu'on a la connaissance dossier yo déjà ce ne sont pas des éléments qui étaient dans football là qui gagnent métier football là est-ce que vous comprenez. Il y a un double apprentissage à faire. C'est-à-dire, rouage football là s'allier, et ensuite, système organisationnel qui était en place là, qui s'allier. Donc, il y a une phase d'évaluation, une phase d'apprentissage, une phase d'évaluation. Donc, il y a une sensation, et responsable comité d'organisation, et plus nos phases, même s'il y a des éléments, et qui était dans football là, là, dans déjà, tant pour, et dame, non, qui était là, déjà, mais plus, il y a une phase, et de redressement, yo plus ap chercher garder fayo comment on pral pallier. Donc tant d'apprentissage ça c'est son tradi les gen sous terrain tant de roi on d'observation ça fait que y a ces bagages administratifs qui est à prendre temps pour mettre en place même penser que avec volonté Jean-Jacques et pour continuer faire expérience là et moi penser y a fini par conclure yon bagay, d'autant plus choix apporté vers Jean-Jacques et surtout parce que en termes de coût d'opportunité, yon pensez que c'est meilleur quoi. Donc, moi, par quoi, t'as fait ça, quitter Jean-Jacques aller sans par contre yon bagay pour l'avancer. En tout cas, nous espérons ça puisque nous souhaitons une continuité quand même. Donc, nous, ouais, Jean et sélection, nous pas qu'à dire mais connaît ça, mais on sentit que pas gain temps pour qu'on gagne. Donc, on entraîneur qui là qui commençait là très bon que lui-même il finit avec et on débarque du période là d'ailleurs pour aller gagner éliminatoire pour Gold Cup qui pourra le faire immédiatement dans ETA etc. Mais allez-y. Moi d'abord dit moi me pensais que compte tenu de urgence là parce que pas oublier et fusé la guerre ou même nous t'a commenté ça timing là j'étais on était et nous t'estimé trop tard. On match après 25 mars, on peut nous te janvier, février pour qu'on te gagne coach. Donc, comme faut te gagne un coach qui arrive pour 25 mars là, l'été barré, yo, yo jouen en entente et rapide, et même utiliser pour ça, conjoncturel, pour match exactement. Et puis, on dit, ok, on a fini le match là, et puis nous parlons chita plus ou moins tête fouette pour nous conclure ça, pour nous conclure. Nous pensons que c'est notre dynamique ça, que, bah, là, t'es parti. Nous espérons que Jean-Jacques a été puisque là et pays a des problèmes mais sur le plan sportif si nous avons mettre petit sourire sur visage mio l'état est très important mais nous pas qu'à quitter et Matza pour ne pas au moins parler de goal tête Ricardo Adea mais son belle détente c'était très haut et ça goal ça dit tout. Oui son goal on coup de tête matché bon belle goal. Et le plus souvent coup de tête ta yo si matché toujours tromper gardien parce que rebond fait trop près gardien pas gain temps de réaction pour soit dévier ballon et empêcher l'entrée donc yo presque dit pour ça c'est pour gagner en tant que gardien dans tennis et puis on fait coup de tête ça c'est des coups gagnants et moi penser oui c'est un très bel goal pendant ouvert et parenthèse à sous terrain hein. Il y a mérite tout pour certains joueurs et notamment milieu offensif qui comment le milieu offensif ça doit être avec Basile même s'il était perdu pile boule était grand pile déchet mais il t'a montré volonté montré aspect vertical là pour aller devant tout le temps et c'était à souligner et au match j'en dis avec Lino qui pas bien rien vrai pour nous te mettre en bas dans nous seulement nous gagner un match là nous compte. Moi mes sondia et juste un petit rappel ou songez et belle prestation nous fait dans Gold Cup là l'en éliminé devant Mexique au moins Grenadier ont gagné 21 jours de préparation ensemble en flou oui. Donc ça montre que son indice lié donc nous pas qu'à croire dans la prière que nous va faut préparer nous faut travail pour nous capable bay résultat. Donc à part de Hervé Basile ou gon l'autre joueur qui était parce que gagne 4 nouveaux joueurs qui étaient fink vini yo même qui étaient prend ou gagne ou continue en tout cas jouer ça ou senti bon bagay cap vini latéral bon yon qui était plus ou moins latéral droit
c'est m'a connais non pas pas monter rapidement. C'est la guerre vraie pour nous échapper. Non, monsieur bah on début prometteur. Okay. Par rapport à ça lui était montré activité etc. mais moi pas rien commenter et jouer les mots première fois. Bien nous c'est à peine 90 minutes voire c'est pas même 4 en dessous de 90 minutes là plus préférer tant pour moi sur cabay parce que c'est l'aime commencer ouais 5 10 matchs pour commencer connaître qui ça qui en dedans qui sont qu'à faire vrai mais quand même pour jouer ça latéral ça pas était très mal passé. Très bien, donc nous voilà bon petit pause tout petit, donc nous censé finir avec volet local là puisque nous pas expert là dans c'est affaire after match 22 après fils de la guerre qui en deuil et puis nous voilà retourner pour nous parler NBA d'abord et puis nous avons petit passer sur quelques matchs qui étaient joués dans éliminatoire coupe du monde zone Europe là et regarder et nous avons fait une prévision tout petit pour la Ligue des Champions parce qu'on a bien temps de vendre. En attendant, nous saluer Nathalie Timéus, Patrick Finelon, Frissé Laguerre, Gagné et Marc-Emmanuel Dorsin, immigrant. Nous ne pouvons pas saluer monsieur tout bas au Cap Fache là tout. Et puis, pas oublier, vous êtes capable de télécharger l'application Radio Télé Impact là, donc vous êtes capable de garder directement sur téléphone nous. Ou bien sous gagner télévision intelligente ou regarder nous sur Roku et puis sur Facebook pas oublier like page là et puis suivre nous. N'a pas une pause tout petit et puis n'a pas retourner pour n'aller parler football à l'étranger mais même dit à l'étranger là, c'est par rapport à Géraldi. N'a tourner. 7 504 52 46 laisse ça venir avec agent Katia et le ballon nous sommes. Allez show. Education service ou allemand je dis ça. Aïe. Bah en pile tête fait mal. C'est tout côté passé, tout le monde c'est une seule parole. Yo dit non tant si la monde bat dans l'âge pour yo mourir. Tellement diable la. Mais oui papa, ou tu besoin de contrôle yo et pour pas gagner contrôle yo, qui raison? C'est parce que crédit ou gâté. Ou même qui t'a aimé ranger crédit ou même qui a problème crédit, tout dans la bon problème, ou t'avais acheté ton bagage ou pas acheter gros crédit ou qui gâté. Et puis entrer en contact avec Financial Education Services. Financial Education Services, c'est un groupe monde qui là pour réparer crédit moun ou même qui a crédit ou qui gâté ou capable ranger crédit ou en même temps tout à faire l'argent tout cabinet agent. Et bien pour entrer en contact avec Financial Education Services, ou capable reler yo dans 857 504-52-86 857-504-52-86 laisse ça venir avec agent Katia et le ballon nous sommes un enjeu education service ou allemand je dis ça. Aïe. Bah en pile tête fait mal c'est tout côté passé tout le monde c'est une seule parole yo dit non tant si la monde bat dans l'âge pour yo mourir tellement diable la. Gérald Dinoga, nous retournons pour deuxième partie impact sport, analyse et commentaire. Donc, sous Fink Branché, c'est Radio Télé Impact depuis Pembe, Florida. On a essayé de garder les questions sportives. Et lien bas live là, vous êtes capable de télécharger l'application pour capable gagner radio sous téléphone. Gérald Dinoga, un jambé dans le ballon orange là, un al nan NBA là. 25 mars là, c'était deadline pour dernier trade yo fait. Gagner pile petit mouvement qui fait sur marché a en venant dans Brooklyn parce que c'est là tout focus là et puisque son all stars qui a créé mais on regarde en al les Clippers qui voyait Lou Williams aller et qui font bon achat et tu as t'es dérangé Lou Williams dans un premier temps qui pas comprendre après 16 ans. Bah elle a fait comme ça, elle a même pensé à quitter jouette là. Mais il semblerait que les amis en font calmer, puisque c'est la Kyle Hill tourne côté de grandi. Et vous pensez que les Clippers font bon coup là, un coup smart? Ou bien présenté, K.A. Oui, les Clippers font bon coup, dans la mesure que l'équipe Clippers a besoin de playmaker. Mais a besoin d'un monde qui est capable de faire ballon, mais qui est capable de réfléchir jouette là. Mm-hmm. C'est plus gros problème équipe ça a gagné. Et c'est qui est-ce qui te qu'on partage balle il y a deux meneurs types qui vraiment pas gagné niveau qui limité n'a pas les de Patrick Beverley même s'il gagne toute intensité ça je vais pas mais, oui mais Patrick Beverley limité le pas capable il pas gagné niveau QI et assez élevé basket là pour le capable vraiment et play bon, assurer playmaking pour équipe et
sans pas retirer qualité li qualité on de gadou dog la qualité nèg qui vient à la job là le job c'est oui cap essayer entrer dans tête nèg yo etc. Donc li gen ça important pour une équipe mais vraiment pour playmaking et l'arrivée dans playoff côté jouer là c'est réfléchir la réfléchir donc faut gen moun qui gen niveau a. De l'autre monde là c'est limité comme ça c'est lui-même ensemble avec gain ancien joueur dit toi là nous en échappé mon connaît super bon chez eux à Bailly et qui il était prend année dernière qui tout lui-même est plus un meneur scoreur donc il pas gain playmaking cube basket là comme si pour contrôler système faire l'autre joueur jouer rendre tâche là plus facile pour deux superstars que ce soit Paul George que ce soit Kawhi Leonard donc ça qui vient bail et lorsque situation en chaud dans playoff lorsque il y a pression surtout et n'importe Paul George déjà on s'il attend blade il va le prendre donc pour gagner ballon dans mais donc jouer de la vie statique parfois il va shooter boule pas rentrer donc pour moi même ils font bon coup pour playoff là parce que playoff Rondo a son autre bagarre mettre Rondo dans saison et bagarre anti Jean Claude Claude pas traîner mais playoff Rondo a son autre niveau et son équipe son cul basket élevé son équipe les plus mal passé responsable coach qui responsable vidéo là c'est tellement regardé match vidéo yo pour comprendre système yo et faciliter et jeu d'ensemble équipe là donc pour moi son gros coup qui fait ça. Ou te pensez c'est Lou Williams qui doit aller? De toute façon, c'est soit Lou Williams ou bien parce que c'est Lou Williams qui est meilleur monnaie d'échange là. Donc yo même comme yo besoin meneur pas ouais qui l'autre pour prendre, yo obligé Bailly parce que c'est très déséquilibré. Même si c'est deux nèg qui dans deux trentenaires, mais Lou Williams en termes de joueur il gagne plus capacité, il gagne capacité scoring là même s'il pas un gros défenseur mais il gagne scoring là et il capoté et qui sont un élément non négligeable pour une équipe. Donc il y a pas de gain le choix meilleur monnaie d'échange que tu gagne, il y a la gain dans balance là puis au point un monde qui ca combler une lacune que au gain parce que objectif yo c'est puis al compete, c'est puis al des titres là donc pas de gain le choix non. Donc la saison dernière Rondo t'a porté couler les Lakers donc là la pote couler voisin mais bon, business là son belle bagaille business là et... mais où bah, oui, trouvez... Rondo vas-y m'attale non m'tap dit Rondo lui même il pas gagne pour le perdre Rondo pas besoin Rondo champion déjà Rondo c'est l'argent l'a fait donc ces dernières années ils sous dernières années Rondo basket leader d'ol même du basket des deux tant de basket qui était devant puis petit parti tout ça qui passé yo donc c'est peut-être ça l'idée quitter les 15 là il fait choix faire l'argent à Atlanta et puis bon il signe un contrat après pour 2 ans pour 15 millions donc l'argent et puis c'est ça l'avantage de Mia dès que tu signes dans équipe depuis tu es nous n'importe quoi tu aller faut supporter salaire pas gagner pas couper là-dedans non pas gagner ça juste peut-être si que vous buy out ou même avec et club là nous entend nous Kodoya et puis nous couper contrat mais là mais depuis au trade nous faut équipe qui pour là il a tenté ajuster pour supporter masse salariale des gars nous sort pour le peser dans masse salariale. Ou estimez déclaration Lou Williams était émotionnel? Oui, on était émotionnel et puis il était son déclaration de frustration. Ni au côté depuis plusieurs années, il stable qu'on y a là et pas obligé de déplacer et surtout le une équipe qui est plus en pole et position pour aller jouer titre. On y a l'autre équipe qui après plus gourmet pour atteindre play-off. Donc c'est pas même objectif yo, c'est pas même ambition yo, c'est normal que li bay réaction ça. Et heureusement la caisse la caisse, c'est là le grandi. On a une équipe qui a fait parler en pile de l'IA là, qui c'est Brooklyn Nets. Finalement, qui ça Brooklyn veut faire? Bon, Brooklyn a profité de recrutement Kevin Durant ensemble avec Kyrie Irving, puis au Rallon Paquet. En plus, James Harden demande Devin là. Donc, on a paquet de joueurs qui pensaient que ils ont besoin de champion. Si on a fait carrière, donc c'est un côté
yon nan destination possible yo, yo al kom pit poutit. Mwen se kon sa mwen kompran li. E mwen toujou mwen fè komparison sa, mwen te fè komparison sa. E mwen di ke mwen wè, il y semble avèk le kèz 2004 la. Le kèz 2004 la pou moun ki la nan jwot la kèk tan. E te gen Karl Malone, te gen Gary Payton, te gen paket, te gen adou gros superstar ki te rive nan fin, e kontra yo ki tap fini, e pi ki pense ke yo pral nan le kèz ki te deja gen la dan Shaquille O'Neal. Qui était là, Kobe Bryant, qui était un paquet de role players importants, Derek Fisher, Roberto, oui. C'est-à-dire, tout le monde était dans l'équipe Salle tout champion, mais pour la petite histoire, pour l'histoire, et pas oublier, l'équipe Salle était pour un fameux 4-0 dans la finale NBA devant Detroit. Donc, c'est ça, l'équipe Boukinan présentée avec un paquet de joueurs, et qu'on y a comment Kimi Sui après lié, parce que c'est une équipe. Pour moi-même, il y a deux bagailles qui toujours été comme point d'interrogation. Déjà, grosse certitude, équipe ça dit nos favoris pour titre là. Yo machine offensive infernale, yo gon gros James Harden cap joué en niveau MVP depuis l'Elvini dans équipe Brooklyn Nets là. Mais yon nan bagaille qui toujours posé comme question, équipe ça pourquoi j'aime tout bien élément yo Kevin Durant jusqu'à présent blessure là. Tout le monde beaucoup fin clair là-dedans, même si on y a la bonne nouvelle, le dit la pente en phase de rééducation, on est commencé à reprendre terrain. Donc, l'équipe ça, avec tout le monde, écoutez que vous pouvez poser la question, comment vous pouvez réagir, et qui est-ce qui a pris le ballon, hein? Parce que, l'organe, parce que, vous avez fait 5 carrément All-Star net, l'organe, vous avez mis sous terrain, hein? Et même si vous prenez, la marque est Aldridge. Ou bien ouais DeAndre Jordan Blake Griffin ou bien Kevin Durant Kyrie Irving mais yo c'est cinq nèg vraiment qui fait nou yo dans ligue là déjà mais son seul ballon gagné et faut que les nèg qui pour commencer comprendre et 6 6 7 8 possessions pour le passer yo pas jamais le ballon hein. On y a, est-ce que comment est-ce qu'on peut gérer ça? Comment y a gérer frustration? Hein? Comment y a adapter? Yo? Entre vouloir le faire et quand on trouve dans situation, hein, est-ce qu'on peut faire? Il y en a qui peut Aldridge, tu peux passer 6, 6, 7 possessions. Il n'y a pas vu un ballon et faut la marquer. N'est-ce qu'on pas de bon défenseur? Donc, parfois, frustration qui arrive et qu'on s'adapte à parler même de manière naturelle. C'est tout ça, yo, que Nash nous peut regarder comment il peut arriver à gérer, yo, notamment minute, n'est-ce qu'on peut parce qu'il y a un pile élément. Et un pile élément qui compte par le passé et lead équipe, lead scoring équipe. Et qu'on y a là, on peut obliger et valer dans ça, puis obliger tant de miettes pour jouer. Donc, Kimi Sui équipe ça, c'est plus gros interrogation et c'est ça, nous pouvons le garder. Et là-dedans. Qui te salue au paquet de monde qui fait que vous êtes là, on s'adou cher enfant. Salut mon frère, on salue Marc Emmanuel Dossin, qui se représente en plus gros organisation qui a travaillé pour les immigrants dans le Canada qui sont immigrants. Boaz, je suis content là, on salue. Nathalie Timéus, ou parlez mes sports, mais Géraldine Ogafor est mes sports. Mais Géraldine Ogafor. Salut Nathalie Timéus. Géraldine Ogafor, je suis content avec tes games, je suis content avec ton petit champ banal, mais il faut me poser quand même. Attendez, pendant quelques temps là, et dans être choqué, Kyrie Irving, des fois là, le pas là, c'est plus Harden cap je dis à la cap jouer pour l'équipe là. OK? Mais dans un premier temps, toujours penser que Brooklyn n'est vraiment pas équilibré, on t'a essayé garder ça. Mais est-ce qu'on pas penser Brooklyn plus équilibré passer les Lakers dans la mesure où Anthony ensemble avec James pas là, c'est comme cette équipe là crasé. Alors que l'autre bord Evin Agdou n'est pas là, mais Harden n'a pas assuré continuité là quand même. Là, on a regardé, est-ce qu'on peut penser Brooklyn bien équilibré en dépit du fait que tout ça nous a dit par rapport à l'équipe ça? Bon, et pas équilibré, non? Il y a deux bagailles pour connaître. Une question à la banale. Oui, non, il n'y a pas de problème. Une question, équipe Lakers là, pas qu'on joue, pour côté qu'on joue, pas qu'on joue sans Durant. Et pardon, sans Anthony Davis, encore plus sans James. Okay. Donc, et même coach là, cette play là, playbook là, lui pas fait sans Exaio. Est-ce que vous comprenez? Donc, le monde blessé de manière inattendue. Est-ce que vous comprenez? Donc, équipe là obligée, réapprendre à jouer.
okay. avec des rôles qui double qui viennent plus pour certains joueurs qui étaient simple qui étaient un simple rôle donc obligé élever niveau et obligé gagner plus responsabilité donc et pression qui gagne et c'est pas le bon James Anthony David le temps pour que cette équipe ça capable apprendre jouer sans le bon sans Anthony David donc bon temps de rodage et là pas gagne dans l'ouest là chaque match ou perdu problème dans l'air donc c'est ça qui rivé équipe ça à la différence pour équipe et Brooklyn là équipe Brooklyn là commencer son équipe qui gagne trois nèg qui gagne une grosse capacité sur les isolation c'est des nèg qui capable prend ballon hein, yo tricoter li fait tout mon écarté et puis yo une sur les isolation nèg sur les capacité ya. Donc et au début et tu commencé ouais parfois fort dans fin match yo et Harden font retrait Bakary en bimbouli et puis Kyrie vient chaud est-ce que vous comprenez bien que il y a des efforts qui fait dans et Nash fait faut mon dit ça dans repli défensif yo dans Harden qui vient bon état d'esprit il vient plus mettre tête li l'a distribuer plus caviar parce que il y a plus éléments plus shooter etc. Ça vient ba équipe là yon en forme de jeu collectif mais jusqu'à présent était point d'interrogation parce que toujours du deux bagages quand il y a Piga c'est inverse là par rapport à l'équipe parce que les deux rentrent en vini qu'on est là yo pas obligé jouer un système pour stabiliser parce que Durant c'est meilleur joueur mettre Kyle là faut que il y ait adaptation qui fait la grande question lorsque qu'on est là yo pas comment c'est arrivé dans le moment de vérité ah, qui est-ce qui a fait sacrifice là mieux bien que Harden montrer lui est disposé à ça mais est-ce que chasser le naturel ne revient pas au galop non, c'est lui pour champion parmi eux faut le faire sacrifice là quand même comment l'a fait sacrifice simple. Là oui il est pas aussi simple comment l'a pillé tout de la part de Kyrie Irving qui ça qu'a fait dans eux et puis c'est dans sens ça mais et c'est ça qui curiosité nous voir comment il va le faire mais grand pile talent et toujours dis ça jouer ça c'est clé succès à ces talents l'on gagne talent ou gagne zame pour capable dire ou ca champion et yo gagne zame pour capable dire ou ca champion mais nous pour regarder ça yo pour le bail en termes de vraiment cohésion d'ensemble là tout le monde là tout le monde en santé donc faut que tu a faire des choix faut que tu a gagne set play faut gagne des monde qui score lead 1 lit de à l'histoire faut hiérarchie ça établi qui ça va le bail et qui frustration ça va le dégager parce qu'il va le dégager frustration il va le dégager frustration et c'est normal c'est moun c'est ça élément tout enjeu face à l'équipe Brooklyn Nets là nous dès qu'on reprocher on dit que c'est une équipe qui on fire sur le plan offensif et sur le plan défensif nous t'ai une faiblesse donc yo acheté Blake Griffin yo acheté Aldridge vous pensez que c'est quelques pions que t'ai manqué équipe là qu'équipe là arrive à acheter vrai pour rendre harmonie équilibre dans l'équipe là bon et moi pensais quand même yo mettait en masse une certaine masse poids en dans pète là mais que était toujours gain DeAndre Jordan et yo mettait plus et donc ça quand même ni pas loin à tout mais ça a arrêté pour nous voir comment équipe comment Blake Griffin pas salté ni la marque salué yo pas salté il y a cela 7-8 ans. Donc c'est des moun qui sous pente descendante yo qui ça ou pral gagner qui wall yo pral bayo exactement nash pral bayo parce que m'pa quoi ou pral besoin scoring nan men yo scoring nan pa nan men yo même peut-être yo pral besoin pour contrôler empêcher vagabond attaquer pète là et faire ça sur les rim protector là et contrôler rebond yo etc. est-ce que next ça yo ap capable transformer mental yo pour que yo connaisse ça ou vinn faire parce que yo pas scorer encore yo pas besoin de scoring là parce que ça qui arrive pour un monde et puis l'été qu'on joue aux gens naturel c'est comme ça et puis il vient arriver même s'il gagne volonté et puis il est frustré parce que là il y a monde qui a dit que bien joueur va gagner yo complémentaire ça dit plaisir c'est pour un rebond remettre lui mais gagne joueur tout réparer bon il a besoin prendre il besoin pour faire cette play pour lui le besoin scorer tout. Donc, il lié tout ça lié à nature, à type de jeu, à type
de rôle que joueur te connait avant et comment l'a capable réadapter lui et comment l'a accepter rôle là. Moi changer et Chris Bosh toujours a dit ça et il dit succès équipe Miami 2010-2014 là nom li epi gros base là li rele Chris Bosh parce que c'est lui qui t'a dénaturé tête li pour équipe là assembler avec une équipe parce qu'il était sorti dans équipe Toronto côté sélecté le scoreur qu'on est venu dans équipe qu'on est il était option 1 il venait passer option 3 qu'on est obligé faire l'autre bagaille pour que équipe là gagne quoi deuxième plus un joueur qui a joué cap contrôler rebond etc. Li vinn même apprendre shooter 3 points pour ba équipe la spacing pour permettre et comment le Wade avec le bon capable attaquer Pentland c'est vraiment son c'est moun qui te fait sacrifice qui t'est arrivé réadapter jouet li c'est pas facile et li te dit ça c'est pas facile non là on a question réadaptation donc t'as une frustration t'as une personnalité jouer entrer question mental là donc tout c'est gros gros travail pour Nash avec Mark D'Antoni avec staff technique là puis oui, comment gérer ça pour Kembe équipe là sous même chaque joueur sous même longueur d'onde pour permettre joueur entrer dans Wolio accepter Wolio même si Wolio ce ne sont que des miettes pour prendre avec plaisir. C'est 1 plus 1 by 2 quand même. Ouais, je fais gros bagaille. Bah, participation pour là. Gen l'autre équipe qui achète moun, par exemple, et après-midi, elle est Lakers pour achat. Et vous pensez son bon élément qui vient jouer l'équipe là? L'équipe là, t'as besoin de ça? Oui, il t'as besoin parce que Lakers lui-même, depuis là, il a perdu ni Dwight Howard, ni Javale McGee. L'équipe là, t'as perdu. Et deux moun qui capable protéger Pentland, deux rim protector, yo te perdi masse en bas Pentland, yo te perdi verticalité. Donc yo besoin un moun qui capable faire et c'est une faiblesse yo gen ané ça. Donc moi pense que Andre Drummond c'est une machine à rebond notamment sur le plan offensif tout. Donc il parle pourtant pas qu'être deuxième chance pour yo pour équipe ça et qui tout capable protéger ce là même si je sais pas pour moi même et li pas il y a deux faiblesses lui-même il pas un gros défenseur sur pick and roll et ensuite il pas qu'à écarter ça veut dire il pas gain shoot 3 points ça veut dire il pas qu'à faire ça relé dans basket là il pas qu'à créer spacing là sur le spacing là c'est dit lorsque on en attaque et puis moun ki konn ba peinture yo capable prendre les 3 points laisse aller au tirer comme ça obligé sortir avec yo nek ki konn attaquer peintland on type tant pour le bon dans tout coup de vide c'est ou ba riel là ba boulevard capable aller. C'est ça le spacing là même pas quoi le capoter mais et puisque bon équipe il peut jouer avec le bon il peut jouer avec Anthony Davis vraiment et ensuite on est 27 ans et c'est on spécialiste dans le bon et qui remplit le masse mon pas capable poster le comme ça donc c'est une faiblesse que penser il est capable combler dans équipe comme ça et pour Los Angeles Lakers. Soufek Boshe, ou nan Impact Sport avec Radio Télé Impact, même avec Géraldine Nogan, n'a pas parlé sport là. Fouzi la gué par la Venezuela, nous connaît raison, hein. Woman li par la pour Amérique du Sud. Là, nous avons essayé de garder et trade yo. Qui l'autre équipe qui fait des achats qui est assez important encore? Moi, je pense qu'il y a 3 équipes qui, nan trade deadline, ça, qui vraiment améliorent. Miami Heat, pour moi-même, qui prend victoire. Maxime Madu content. Et m'ko pren Nemanja Bjelica et yo prend des joueurs qui capable pour permettre équipe ça upgrade yo am qui va améliorer roster. M'a parlé tout de Denver qui prend Aaron Gordon qui prend quelques shooters à 3 points. Donc Denver et qui prend Javale McGee qui pour aller jouer wall et center backup là de Nikola Jokic et n'a parlé de équipe Dallas là qui fait même bagaille là. Dallas prend et quelques bons joueurs tout qui fait que Mounsayo yo amélioré roster yo et yo positionné tête yo comme des équipes qui pourraient compliquer dans playoff et pour moi même c'est gagnant et trade deadline là. Et notamment et Miami, Denver et Dallas Mavericks. Très bien, nous avons Noël Géraldi qui font compliment pour un bar live là. Donc Daniel, bagne commentaire yo. Bagne de le commentaire, même salut tout le monde qui suit live là.
Merci. Nous allons quitter le basketball là, c'est vrai, nous commençons à aller à tout arriver sur nous. Je connais ce bagage au Paris, mais déjà 10 heures. Je connais ce bagage au Paris, mais fait. Le lab considérer l'équipe en forme en un moment et nous considérer achat ou fait. On petite prédiction, qui 4 équipes ou qui a fini et en haut à l'ouest, 4 à l'est. Qui sont où? Ok. À l'est, je pense que Milwaukee. Et au monde bagarre Milwaukee tourne une équipe qui reprend forme li et qui gagne des éléments yo joine toute sorte de comme faiblesse yo c'est-à-dire qui manque appui à yo joine jusqu'à présent pour saison yo bon même si faiblesse qui compte poser dans play-off là et notamment avec l'homme par qui tout passait n'a parlé de Giannis Antetokounmpo Antetokounmpo pas gagne shoot yo il pas gagne shoot là m'pas quoi après joine dans saison ça donc ça capable venir. Mais seulement comme il y a comme palliatif, tellement il y a d'autres joueurs qui ont créé shoot, qui ont mis des shoot, donc ça a capable de pallier faiblesse ça. Donc Milwaukee, on faut compter avec et Brooklyn Nets, qui c'est l'équipe en forme du moment et l'attraction du moment, donc on ne peut pas ignorer. Philadelphie, on t'a déjà annoncé et jeune équipe là déjà comblé faiblesse depuis le début de saison, ils ont confirmé le souterrain. Hein? Donc moi pense ils ont appelé dans et Miami qui a vini vraiment. Donc on entre et là donc nous pensons quatre équipes ça nous considérer c'est top 4 à l'est. À l'ouest on va chavir à l'ouest. On pas fini comprendre Toronto avec Boston ça qui a passé. On pas fini comprendre. Bon pour moi même Toronto vient gagner un problème moun yo te mette l'argent là-dedans et yo croit que c'est les mêmes qui doivent venir franchise pour l'équipe là. Ils font camper dans la progression. C'est un gars qui peut-être attendre tout le temps de sur l'IO. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une période de mauvais moments liés? Même quand tu as parti sur une autre saison là, on a parlé de comment les joueurs, Toronto, ça l'échappait, non l'échappait moins. Mais ils se font gros contre avec le coach là et pas déjouer le joueur coach là. Jusqu'à présent, il faut gérer dossier ça en train de gérer. Parce que monsieur, il y a un bol pour dire que. Et coach a semblé mettre pression pour monsieur jouer le niveau qu'il était gagnant. Monsieur dit il n'est pas capable de mettre toute responsabilité à son dos et pas lui faire tourner tout comme ça. Donc on parle de Lowry. Non, pas Kyle Lowry. Kyle Lowry c'est un vétéran et qui est en phase de dernière année contre lui qui a fini donc qui pas bâti sur lui. Donc là nous on vient m'a peut changer n'importe qui changer sur live là dans live là vous connaissez ce long ligne là. J'étais joué et en 2019 c'est révélation dans équipe Toronto en tant que champion hein. Donc monsieur il était dans progression c'est un facteur qui expliquait ça dans équipe ça qui vient faire équipe là plus tourner quand il y a en construction à moyen terme ou avant que lui et peut-être ça il a essayé chercher pour avant que avance ou ouais de l'avant. M'bat lien yon sou Toronto pour la semaine ça ou pensez c'est Siakam non c'est Pascal Siakam exactement okay. C'est Pascal Siakam qui t'a fait gros côté avec okay. Et coach là oui gros joueur joueur coach là il commence trop dépasser les limites et li stagner dans progression hein, et c'est sous lui au bâti projet là donc lorsque le bâti projet son mon puis là il stagner li ka fait équipe la perdu repère perdu plan c'est une explication point pour Toronto Boston. Et ça qui arrive à Boston pour moi-même, et bien que pour moi-même, équipe ça, il y a deux talents, notamment Jason Tatum, Jalen Brown qui upgrade pour moi-même dans l'équipe ça. Mais comme c'est une équipe, monsieur Sayo, c'est des jeunes qui pourquoi vivre, malgré au temps de faire final bonheur, mais apprendre qu'un bébé au niveau, à qu'un bébé, un décadou, arriver à Seyon, mais Kembel là c'est deux, donc c'est problème constance là qui était posé au problème. Il y a un problème intérieur, il a tenté de résoudre dans le début de saison avec Tristan Thompson. Il a ajouté l'autre scorer dans le trade deadline là qui c'est français Evan Fournier, qui sont shooters, sont scorer. Donc nous parlons de ça, ça baille, mais équipe ça, parfois c'est inconstance li, et qui lié à tempérament et superstar li autour. Et parfois inconstance ou du moins gain ça tout gain moi fait statut mais qui impact stat la gain pour faire équipe là franchement palier c'est ça pour y arriver faire eux-mêmes Jalen Brown et Jason Tatum il a fait statut ce sont des joueurs talentueux
c'est Nedek qui a mis chute yo, c'est qui a fait point yo, qui a fait 20 22 points de moyenne. Mais c'est tout ça métier ça mandé, c'est tout ça pour chute à point à la point dans le monde. T'as dit bien fait stat, bien fait équipe là. Pas plus que deux pas que le peuple. Faut ensemble avec oui, faut faire équipe là capable franchement parler avec ça ou faire avec input là. Est-ce que là parce que des joueurs yo talentueux. Il a toujours fait 20 25 points de moyenne. Mais qui ça fait équipe là gagner et qui ça le fait le franchir comme palier. Pour moi même c'est problème équipe Boston hein, et il faut que joueur ça yo capable arriver dans dimension ça. Et problème soit posé à li important pour MVP saison hein. Non seulement ça va faire mais équipe là tout qui ça va faire gagner sous influence sur l'équipe là. Donc c'est très important. Qui veut sous résultat équipe là exactement. On a la l'Ouest. Pas gagner l'équipe championne même... pas dans bataille ça passe. Non, voilà. Oh, l'équipe championne. Et m'a tout nous équipe championne. À l'Ouest, il y a Utah Jazz. Pour moi-même, qui montre ma chaîne. Oui, et qui jusqu'à présent a Kembe et promotion. Pour moi-même, la pladan. Il y a tout deux révélations à l'Ouest, c'est Utah Jazz. Phoenix. Et plus et Phoenix Suns. Qui viennent le général. Le général Chris Paul. Qui sont phénomènes, qui sont professeurs. Les upgrades d'équipe ça. La prenne petit yo qui gagne talent, notamment, et n'a pas parlé de Devin Booker, on a parlé de DeAndre Ayton, qui c'est des joueurs talentueux de jeunes, et apprennent yo, qui apprennent gagner. Donc, c'est ça qu'il fait. Et qui fait l'équipe ça, upgrade. Pour moi-même, il y a quatre là. Et puis l'autre de yo. J'ai dit, m'parle Chris Paul mal en pile, ou là, moi, il fait choix à Phoenix, là, m'dis, m'j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, là. Non. Bon, peut-être, upgrade une équipe dans saison régulière après à les champions sont monde de différence. Mais sont bon signe quand même, sont bon signe. Oui, mettez équipe ça, les rendre équipe ça compétition, équipe qui était qu'on a boumé pour 8e place qui pas même qu'on fait play-off, qu'on a les rendre équipe ça compétitif, équipe ça pour aller dans quatre premiers. Donc pour moi même c'est deuxième. Après ça quand même deux équipes Los Angeles yo, moi pas qu'à mettre pas météo, notamment Clippers pour le 15, moi dit mettez quand même Asterix puisque deux mètres équipe là blessé. Bon, et dernière nouvelle yo autorisé Anthony Davis retourner intensifier et entraînement terrain yo depuis semaine ça. Moi pensais peut-être après semaine ça et Anthony Davis ça doit tourner normalement. Donc si yo Kakembe fait 2-3 victoires yo pas descendre net yo rester entre 4e 5e, moi pensais que lorsque fin avril arrivé Anthony Davis a prendre pour toute cap li bon yo intégrer Andrew Drummond. Et yo même a parlé bon l'autre joueur après le prendre en bas route là peut-être entre Avery Bradley ou bien Otto Porter Junior qui capable porter et compléter équipe là. Donc on pensait que yo capable dans quatre premiers d'ailleurs à l'Ouest distance pas en pile vrai c'est 3-4 victoires 3-4 et défaites de retard que yo gagné par rapport à Utah. Et match a continué, l'équipe continue à perdre, pression en haut. Donc, moi, je pense que 4 premiers, il n'y a pas ça, Utah et Phoenix, Los Angeles Clippers et Los Angeles Lakers et là-dedans, sans pas oublier Denver avec Dallas. Pour aller venir frapper dans Portland en ville! Portland va frapper tout? Oui, Portland va frapper. Exactement. Portland va frapper. Donc, c'est la bouteille. Exactement. Rappelez-vous, Mounio, que. Même formule là, Kembe, ce n'est pas 8 moun yo kabane qualifié directement. Entre 8e. Entre 7e et 9e, amien sa orile play-in. Tournament play-in. Ça veut dire que si y a 4 victoires, qui c'est différence 4 victoires gain par exemple, entre 8e, 9e et 7e là, yo pral font tournoi entre yo pour que yo joigne, yo, comment te ka dit ça, sceller dernier ticket. C'est le dernier ticket pour aller faire playoff 2021. Donc, on va aller dans le play-in pour venir dans le playoff. Bon bagaille. Oui. Géraldine Ogal, nous ne pouvons pas parler de football à ce soir, puisque nous avons commencé un petit peu en retard. Mais nous avons juste rappelé que nous avons gagné l'éliminatoire Coupe du Monde dans la zone Europe. Équipe qui a marqué deux journées à là, c'est la Turquie, qui fait deux victoires lui-même. Nous sommes allés battre la Hollande 4-2, ils font deuxième victoire. La France, Stéphane Nul, ils battent deuxième match. L'Allemagne fait deux victoires. Donc, en réalité, c'est comme ça. Espagne, tout est fait match nul en premier journée, ils battent Jodia. Pas oublier que c'est 10 poules, 5-6.
premier yo a qualifié direct et puis gagné dans deuxième yo qui pral dans barrage, mais c'était deuxième journée là. Et là encore mardi a gagné troisième journée et il y a trois zones Europe. Donc semaine qui a fini championnat national yo a reprendre et puis l'autre semaine a gagné Ligue des Champions et puis samedi 10 a gagné le classico. Donc dimanche qui a venu, nous disons que nous avons fait Chaven, nous avons parlé football, nous avons fait prédiction de Ligue des Champions, nous avons parlé classico et nous avons parlé en pile football. Qui te salue encore une fois, grosse organisation qui travaille dans la question immigration dans le Canada, qui c'est immigrant que Marc Emmanuel Dossin, c'est un homme qui est dans le bordel, mais c'est vraiment important pour nous connaître l'information, ou même qui a quitté Haïti, sur qui doit, ou qui sont café, qui programme, qui gagne. Albay on like sur page immigrant parce que Emmanuel Dossin a tapé l'inclin en bas live là Géraldine Oga. Nous font gros péché, nous pas parler ballon dans niveau international, nous te parler dans niveau local, mais n'a pas lavé péché à dimanche Géraldine. Espace pour dit dernier mot ou qu'on aime pas capable qui dit dernier mot. Mais tout d'abord remercions Mérédith Velino qui te permet que nous capable là encore pour nous partager panel là ensemble. M'a salué tout super branché RTIO, tout super fanzio inconditionnel yo Marc Emmanuel Dossin immigrant nous saluons Nathalie Timéus content Nathalie là chaque jour il va connait le football mais tellement aimer leur parler basket football il dit faut le venir garder nous content et saluer nous saluer et tout le monde net qui habitué dans live et en bas live là continuer partager link là continuer rester branché sport sur Impact Sport et n'a saluer et directeur Matsen la technique nous saluer et nous content pour nous t'es là et nous espérer n'a capable ouais très prochainement et jeudi à Velino et laisse peut-être n'a fond focus full Ligue des Champions full football et parce que un jour pour le gros dans semaine qui vient. Un pile gros bouton d'enjeu à tous les niveaux, n'a pour que vous nous parler toute cause ça yo. Et ben c'est un plaisir pour nous être avec nous, pas oublier continuer faire bien à tout le monde nous rencontrer déjà week-end n'a fini et nous va commencer en semaine ça cap travail et puis faire bien à tout le monde nous rencontrer et pas oublier protéger tête nous. Bye bye tout le monde, radio télé a pas cramé nous. À la prochaine. Papa, ou tu besoin de contrôle yo et pour pas gagner contrôle yo qui raison c'est parce que crédit ou gâté ou même qui t'a aimé ranger crédit ou même qui a problème crédit tout temps la bon problème ou t'a voulu acheter ton bagage ou pas acheter le